Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto du short Patrick. Patrick, c'est un modèle que vous connaissez déjà peut-être. Je l'ai modifié, amélioré et j'en ai fait également une version short. On va faire ce tuto dans un satin de coton assez léger, les tissus du chien vert. Sur l'envers des devants, au niveau de l'ouverture de poche, il faut mettre un droit fil thermocollant. On assemble endroit contre endroit le petit fond de poche le long de l'ouverture de poche. On pique, on couche la valeur de couture vers le fond de poche et on surpique à 2 mm. On a assemblé endroit contre endroit le petit fond de poche avec le devant. Coucher la valeur de couture vers la poche et surpiquer à 2 mm. On assemble endroit contre endroit le grand fond de poche avec le petit fond de poche. Et on pique et on surfile tout autour de l'arrondi. On forme le pli. Donc vous faites correspondre l'écran. Et on maintient le haut de la poche avec le pli. Donc là, on fait une surpiqûre à 0,5 pour maintenir et la poche et le pli. Et en bas, on maintient également la poche sur le côté du pantalon. On surpique ici et ici. Maintenant que les devants sont terminés, on va mettre le zip sur le milieu devant. Je trace mon milieu devant. Sur cette partie-là, on va piquer au point droit sans faire d'aller-retour en allongeant le point de sa machine au maximum. Puis on va piquer la fourche devant avec un point standard en faisant bien ici un aller-retour. Donc ici sans aller-retour au point le plus lâche. Et ici, au point standard, avec un aller-retour ici. Parce qu'en fait, on va découdre cette partie-là une fois le zip monté. Alors, on va monter le zip. Donc, vous avez besoin d'un zip. Bon, un zip de pantalon, c'est une vingtaine de centimètres. Moi, j'en ai un de 60, donc je vais utiliser un de 60. Vous avez la soupape. Donc, vous la repliez en vert contre envers et vous surfilez le côté et le bas de la soupape. Vous positionnez le zip le long de la soupape, endroit contre envers. Et avec le pied spécial pour fermeture éclair, vous piquez au ras des dents, ici, le zip sur la soupape. On ouvre le devant le long du milieu devant. On positionne l'ensemble zip plus soupape en alignant le bord du zip sur le milieu devant. Et on va aller piquer la soupape avec le zip et le rabat du côté gauche. Donc on repique en fait sur la couture que l'on vient de faire. On coupe l'excédent du rabat sur le côté gauche. On libère le zip. Et là on va faire une troisième couture sur le côté gauche. Donc on a
la soupate, le zip, et ici on surpique le long des dents. Ça, ça évitera que en fait, cette partie-là du tissu ne se prenne dans le zip et que ça bloque l'ouverture du pantalon. On couche l'ensemble du côté gauche sur le côté droit. On mettait bien tout à plat. Et on pique le zip côté droit sur le rabat côté droit. Donc ici, on pique au ras des dents. On maintient la soupate sur le côté gauche. Et le rabat droit sur le côté droit. Sur l'endroit, on trace une verticale à 3 cm du milieu devant. Là, c'est la fin de ma soupate. Donc 1 cm au-dessus, je trace une horizontale et là, je trace un arrondi. Alors, on va piquer en deux temps. Vous allez d'abord piquer la verticale. Ici, vous faites un point d'arrêt. Puis, on va libérer la soupate et on fera l'arrondi. On libère la soupate, on la met sur le côté droit et là on va aller piquer l'arrondi. Donc on pique ici et ici jusqu'à notre point d'arrêt. Donc on a piqué dans un premier temps la verticale sans piquer la soupate, puis on a remis la soupate sur le côté du pantalon et on a piqué ici l'arrondi. Maintenant on peut couper le zip excédentaire sous la soupate et on peut ouvrir le milieu devant que l'on avait piqué au point le plus large de la machine. Voilà, et le zip est fini et est monté. Alors, vous ne coupez pas cet excédent-là maintenant. Vous le couperez une fois que vous avez commencé à mettre votre ceinture. Le devant est terminé pour le dos. Sur l'envers des dos, vous tracez les pinces. Vous faites correspondre l'écran. Et vous piquez de la taille vers la pointe de la pince. De là à là. Et on va surfiler les bords extérieurs du dos. On assemble endroit contre endroit les dos par la couture de fourche dos. Donc on pique le long de la fourche dos. On assemble endroit contre endroit, le dos avec le devant par les coutures de côté. On pique et on ouvre les coutures au fer. On fait la couture d'entrejambe. On pique et on ouvre la couture. J'ai fait mon ourlet de 3 cm en bas des jambes. Maintenant, on va s'occuper de la ceinture. Alors, la ceinture, elle est asymétrique puisque le côté droit va sur le côté gauche. Donc, notez bien le côté droit extérieur, le côté gauche extérieur. Sur la ceinture intérieure, pour un rendu impeccable, vous pouvez ganser le bas de la ceinture. Donc ça, c'est ce que j'ai fait.
les passants. Vous repassez 1 cm puis 1 cm et vous repliez en deux et vous surpiquez à 2 mm. La ceinture fait 6. Les passants, vous les coupez tous les 6,5. C'est pour donner un peu de souplesse et pouvoir glisser une ceinture. Vous positionnez les passants sur les emplacements prévus sur la ceinture extérieure. Alors les ceintures, elles doivent être entoilées. Donc pour entoiler un morceau, vous prenez un rectangle de tissu dans lequel tient la pièce entoilée, vous thermocollez le rectangle, puis vous coupez les morceaux. Et là, vous maintenez les passants avec une surpiqûre à 0,5 sur le haut et sur le bas de la ceinture extérieure. On assemble endroit contre endroit la ceinture extérieure avec la ceinture intérieure par la couture du haut. On pique et on couche la valeur de couture vers la ceinture intérieure et on surpique à 2 mm. J'ai assemblé la ceinture intérieure avec la ceinture extérieure, couché la valeur de couture vers la ceinture intérieure et surpiqué à 2 mm. On pique les extrémités. On assemble la ceinture extérieure sur l'endroit du pantalon. Sur le dos, les pinces, vous les couchez vers le côté du pantalon. Milieu dos sur milieu dos. De nouveau, la pince dos, je la couche vers le côté du pantalon. Côté sur côté. Et milieu devant sur milieu devant. Et vous piquez donc la ceinture extérieure sur l'endroit du short, tout autour de la taille. Maintenant que la ceinture extérieure est piquée sur le haut du short, vous pouvez couper la partie supérieure du zip. Il ne faut pas le couper avant parce que si jamais vous faites sortir le curseur, vous devez tout recommencer. Alors, ici, sur la valeur de la soupatte, vous mettez la soupatte entre les deux épaisseurs de ceinture, l'intérieur et l'extérieur. Donc ça, c'est notre côté gauche. Et donc vous piquez donc là sur 3-4 cm la ceinture intérieure et la ceinture extérieure. Donc ça, c'est sur le côté gauche. Sur le côté droit, on va faire pareil. Vous rabattez la ceinture intérieure sur... Donc le pantalon, il est entre la ceinture intérieure et la ceinture extérieure. Et vous allez piquer jusqu'à la fin du rabat côté droit. Vous piquez du bord devant jusqu'à la fin du rabat. Vous retournez sur l'endroit. Qu'on a bien repassé les valeurs de couture vers la ceinture extérieure. On rabat la ceinture intérieure sur l'envers du pantalon.
Et donc là, en fait, sur le devant, la ceinture intérieure ressort progressivement. Vous voyez, on a piqué jusque là. Et à partir de là, on fait ressortir la ceinture. Pareil de l'autre côté, là ça sort progressivement. Et là, l'idéal, c'est de bâtir sur l'envers. C'est ce que je vais faire là. Je bâtis ma ceinture intérieure sur la valeur de couture de la ceinture extérieure. Et après, on va les piquer sur l'endroit. Et là, sur l'endroit du pantalon, vous allez piquer dans le sillon ici, entre la ceinture et le pantalon. Donc vous piquez ici, dans le sillon. On a piqué dans la rainure, fait la boutonnière, cousu le bouton, et le short Patrick est terminé. Ici, dans un satin de coton, les tissus du chien vert.